Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Nous sommes en direct, et je le remercie, avec Richard Ferrand, ancien président de l'Assemblée nationale, proche d'Emmanuel Macron. Richard Ferrand, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous, Richard Ferrand. Je lis un extrait de l'interview que vous avez accordée à notre confrère du Figaro. À la question « Regrettez-vous qu'Emmanuel Macron ne puisse pas se représenter en 2027 ?», vous avez répondu, je vous cite, « Notre Constitution dispose ainsi. Cependant, à titre personnel, je regrette tout ce qui bride la libre expression de la souveraineté populaire, la limitation du mandat présidentiel dans le temps, le non-cumul des mandats, etc. Tout cela corsette notre vie publique dans des règles qui limitent le libre choix des citoyens. Ça affaiblit notre vie politique en qualité et en densité et ça la rend moins attractive. Changeons tout cela en préservant le bicamérisme et le Conseil constitutionnel, gardien vigilant des principes républicains et des libertés publiques. Évidemment, vos propos ont été vite interprétés. Qu'avez-vous voulu dire ? Bien, écoutez, M. Bourdin, vous nous avez dit tout à l'heure les faits avant l'opinion, et je crois qu'il faut s'en tenir à ça. Je ne changerai pas une virgule à ces propos. Je dis simplement que le président de la République, Emmanuel Macron, a été élu sous un régime constitutionnel qui fait qu'il ne peut exercer que deux mandats. Et ce que je disais d'une manière prospective, c'est que d'une manière générale, je trouve, je l'ai écrit dans un livre il y a plusieurs années, je l'ai dit plusieurs fois lorsque j'étais en activité à l'Assemblée nationale, qu'en effet, je trouve qu'il faut faire confiance aux électeurs et il faut les laisser choisir qui ils veulent, quand ils veulent, que ce soit pour la présidence de la République, pour leur ville, leur commune, leur département ou leur région. Après tout, il y a des villes qui sont administrées par des maires qui sont à leur troisième ou quatrième mandat, et si c'est ainsi, c'est parce que les électeurs l'ont voulu. Donc, mon propos ne consistait pas à dire qu'il fallait changer des règles en vue de 2027, mais que d'une manière générale, il fallait permettre à notre démocratie, à mon avis, de respirer mieux, en laissant en toutes circonstances le dernier mot aux électrices et aux électeurs. C'est tout simple, évidemment, des esprits malveillants ou ceux qui n'ont pas pris la peine de lire l'intégralité de l'article, qui se sont contentés du titre d'une dépêche, ont vu là je ne sais quelle obscure manigance pour suggérer qu'il faudrait changer la Constitution pour convenance personnelle d'ici 2027. Voilà, c'est ce qu'on appelle une fausse polémique qui naît comme ça par la conjugaison à la fois des rapports des réseaux sociaux qui s'emballent avec la répétition ou l'interprétation erronée par quelques-uns qui ont accès aux médias. C'est clair, pas question dans votre esprit de lancer un quelconque appel à changer la Constitution pour éventuellement permettre à Emmanuel Macron d'accomplir un troisième mandat. Mais évidemment, on change pas les règles en cours de match. Ça n'a aucun sens. Un président devrait pouvoir être élu 3-4 fois comme un maire ? C'est mon point de vue que je défends une fois encore depuis toujours. Oui. Madame Merkel est restée 16 ans à la chancellerie en Allemagne, François Mitterrand 14 ans, Jacques Chirac 12 ans. Moi je ne vois pas ce qui fait obstacle, c'est aux électeurs de choisir, de décider. Je ne vois pas pourquoi ils seraient bridés dans leur possibilité de choisir. C'est tout. Ce n'est pas le sujet numéro un d'ailleurs de la vie des Françaises et des Français aujourd'hui entre nous. Et par ailleurs, moi, mon interview, ce n'était pas non plus le sujet numéro un. Au contraire, j'appelais, si vous voulez, à l'idée que l'on réfléchisse à un moment d'unité nationale pour s'entendre, pour régler les problèmes des Françaises et des Français. J'appelais aussi à l'idée que l'on puisse retrouver la fierté et le bonheur d'être Français, que l'on ne passe pas tout notre temps à dénigrer notre pays, même s'il y a des problèmes cruciaux, des problèmes nombreux. Bref, c'était ça le sens de mon propos, et cet incident sur l'élection présidentielle était tout à fait anecdotique dans l'interview que j'ai donnée, mais soudain, voilà que c'est une aspérité qui a été monté en mayonnaise, si je puis dire, sur les réseaux sociaux, et ensuite repris abondamment, et puis les interprètes, et pourquoi il veut ci, pourquoi il veut ça. Enfin, écoutez, c'est une position que j'ai toujours tenue, que je tiens toujours aujourd'hui, mais qui n'est pas de circonstance, qui est une conviction.
Richard Ferrand, vous parlez d'unité nationale. Vous lancez un appel à l'unité nationale sur le terrain purement politique. L'unité nationale, ce serait quoi aujourd'hui? Ce serait gouverner avec LR? Ce que je pense, moi, c'est que tous ceux qui pensent qu'ils peuvent prospérer simplement en empêchant le gouvernement de gouverner ou le président de présider, je pense qu'ils se trompent. Parce que les Français n'attendent pas des femmes et des hommes politiques responsables qu'ils sabotent, parce qu'en sabotant, ils se saborderaient eux-mêmes, mais qu'ils contribuent à trouver des solutions. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que les réformistes de tous bords, qui ne se situent pas dans les extrêmes, devraient négocier, travailler, trouver des points de compromis, des points d'équilibre pour arriver à vaincre la relative instabilité qui est née de la majorité relative que les Français ont choisie pour l'Assemblée nationale. Eh bien, en faisant cela, les Français ont dit finalement aux forces politiques, bah, personne n'aura la majorité absolue, donc il faut que vous essayiez de trouver vous-même des solutions. D'ailleurs, j'observe qu'il y a une trentaine de textes qui a été adopté sous la houlette de Mme Borne depuis qu'elle est à Matignon. Donc cela se fait, mais il faut que cela se continue et que l'on ne mise pas notre pays simplement par des ambitions ou des oppositions stériles. C'est ça le sens de mon propos. Est-ce que la France a besoin aujourd'hui d'un gouvernement d'union nationale? Bon, l'union nationale, je crois que c'est une construction un peu archaïque, mais qu'au moins sur 5-6 grands objectifs, on puisse se dire, que l'on soit un réformiste de droite ou de gauche, que avec le socle central que forme la majorité relative, eh bien, il y a des sujets sur lesquels il y a moyen de discuter, de négocier, de s'entendre. Parce que la culture politique française, elle est trop marquée par l'idée que ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est négociable. Vous comprenez bien que ça ne peut pas avancer comme ça. Il faut que tout le monde mette un peu d'eau dans le vin pour arriver à trouver des solutions qui sont de nature à répondre aux problèmes qui se posent aujourd'hui. Rumeur qui court, Richard Ferrand, Premier ministre, vous dites oui ou vous dites non? Je dis que la rumeur, vous savez, c'est la fumée du bruit. Donc, il se trouve que moi, je soutiens évidemment le gouvernement de Mme Borne et Mme Borne, comme j'ai soutenu naguère Jean Castex et Édouard Philippe. Je soutiens les premiers ministres qu'a nommés chaque fois, d'ailleurs ce sont des personnes remarquables, qu'a nommé le président de la République, et je ne suis absolument pas dans cette position-là. Les électeurs m'ont redonné, si je puis dire, ma liberté voici un an. Aujourd'hui, je fais autre chose, je m'épanouis dans ce que je fais, et je ne suis pas dans une position ambitieuse comme celle qui est décrite. Mais que voulez-vous? Avec les rumeurs, vous les démentez, on vous dit que vous mentez, vous ne dites rien, on vous dit que vous les laissez prospérer. Bon, c'est le chat qui se mord la queue. Donc, oublions ça. Oublions ça, et vous rappelez cette phrase de Pierre Dac, quand on n'a rien à dire, il n'est pas nécessaire de le faire savoir. Oui, j'aime beaucoup Pierre Dac, et je recommande à tout le monde la lecture de ses pensées, parce que je trouve qu'en effet, il y a d'innombrables bavardages qui viennent brouiller un peu ce qu'il y aurait d'intéressant à entendre sur un certain nombre de sujets, que parfois les polémiques, comme celles que nous avons évoquées aujourd'hui, sont parfaitement dérisoires par rapport à l'essentiel. Merci Richard Ferrand d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci en exclusivité sur Sud Radio. Il est 10h41.